Salut à toutes et à tous, c'est Mustapha Morinman et aujourd'hui on se retrouve pour le début de nos aventures sur ce playthrough cette fois-ci de Call of Duty La Grande Offensive Extension Pack qui est donc l'extension de Call of Duty 1. Au départ je devais vous faire que 3 mais je me rends compte qu'émuler me donne vraiment la nausée. Je n'aime pas du tout émuler, je trouve que ça détruit un peu le jeu vidéo. Bon, certes, des fois il y a des jeux qu'on peut pas avoir, donc comme Call of Duty 3 par exemple, ce qui est complètement con, mais je me suis dit autant vous faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, on va vous faire la grande offensive à la place. Et s'il y a des joueurs console et machin, bah, vous pourrez dire dans les commentaires si vous préférez Code 3 ou Call of Duty Unity Offensive, en sachant que c'est juste une extension quoi. Alors, nouvelle partie, deuxième classe, c'est parti. Donc on rejoue les autres, les mêmes personnages que dans le 1, je vous rappelle comment ils s'appellent. C'est pas grave. On est à Bastogne en Belgique. On est le 26 décembre 44. Ok, c'est le dernier objectif de notre patrouille. Plus vite vous aurez bouclé la reconnaissance de cette traite, plus vite on rentrera se taper le rata. Hey sergent, et si on allait directement reconnaître le rata? Hunter, je trouverais ça drôle si j'étais pas en train de me les geler. Allez, maniez-vous. Rendez-vous à la Jeep après la reconnaissance. Bon, Hunter et Moody's n'ont pas du tout la même voix. En fait, si Moody's, Hunter a la même voix. Enfin, je crois bien, mais le regroupement. T'as l'impression que c'est bon, moi j'ai l'impression qu'on va se faire exploser la gueule. On peut pas courir. Dans ce jeu on peut pas courir. Dépêche-toi bordel. Bien entendu, il y a que nous qui sommes. Il est mort, Hunter. On peut plus rien pour lui. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Dégagez! Oh putain! Attention, baissez-vous! Faut qu'on rentre au QG! Je vais le laisser, pour prévenir le capitaine! Absolument pas! Accrochez-vous, ça va se jouer! Restez sur vos gardes, les gars! Sans blague!
se positionne avec les jambes grandes ouvertes pour se faire reculer par l'arrière. Merci de la blessure. Rien du tout, il meurt. La ligne a cédé, faut les aider. Mais donnez-moi des munes et je vous aide. Voilà. Et où est le bazooka? Où est ton bazooka? Il est là. Il m'a vu, non, ça doit être lui, il est con. Okay. Il recharge ce putain de truc. Je me mets en plein vent. Dégagez-vous! Vous voyez pas que j'essaie de tuer les... C'est bon, il brûle. Explosez dans leur petite gueule, allez, foncez, foncez. Oh. Sacrée boîte de conserve, ça se pointe à la bourre et toute la gloire est pour elle. Mais ouais, que veux-tu mon petit bonhomme? Bon alors, c'est qui la guerre est une série de catastrophes qui se termine en victoire, Georges Clemenceau. Effectivement, on va continuer parce que c'est deux missions par... épisode pour faire donc 6 épisodes normalement. Oui, toujours Bastogne. Messieurs, voici les sergents Jones et Ramirez. Leurs escouades vont vous assister dans cette mission. Vous les briefez? Avec plaisir, mon capitaine. La situation est mauvaise partout, alors il y a le choix.
sur la grosse poupée. Oh putain, j'ai une histoire sur tout.
plus énergique que dans le 1 quand même. C'est quoi ça? C'est à nous? Ouais. Bon, fin de la mission apparemment, je dirais ça. Oh là là. J'espère juste que le son était pas trop fort. Enfin, pas trop fort là. T'arrives à la fin toi, hein? Ouais, en route. Bon, et ben voilà, c'était le premier épisode de nos aventures sur Call of Duty United Offensive. Je précise juste à la fin que bon, je fais ça pendant le temps que j'ai pas internet. Oui, j'ai filmé trois épisodes de. Trois, je suis gentil. Oui, trois épisodes de. Du pouvoir de la force, les trois derniers. Je commence déjà une série. J'ai que ça à faire de toute façon sans internet, c'est triste. Je pleure. Allez, à plus tout le monde.